Le spectre de la menace djihadiste fait peur à Saint-Louis. Cheikh Tidiane Anne a participé l'année dernière à la mission en charge de résoudre la première alerte djihadiste au quartier de Gokhumbach. D'une population qui s'agitait, et c'est des enfants, d'une population qui s'agitait, et c'est des enfants, paraît-il, qui jetaient des pierres chaque jeudi et vendredi au niveau des établissements scolaires. En ce moment, à Saint-Louis, on avait fait déjà le lien avec Boko Haram. On ne peut pas se prononcer sur cette question pour dire que c'est une ramification de Boko Haram. En tout cas, ce que nous pouvons dire aujourd'hui est que c'était une situation qui était là. Mais pour Cheikh Tidiane Anne, il faut prendre très au sérieux la menace terroriste à Saint-Louis en prenant les devants. C'est au gouvernement de prendre ses responsabilités en verrouillant, n'est-ce pas, les frontières. Et si nous voyons à Saint-Louis, la frontière est imperméable. Et de Saint-Louis au Fouta, en passant par la vallée, partout, les gens peuvent passer pour rallier l'autre rive. Au moment où nous vous parlons, les forces de sécurité traquent le djihadiste mauritanien signalé à Saint-Louis.